Salut les touristes. Alors aujourd'hui, je vous emmène avec moi. On est dimanche 15 octobre. Je vous emmène avec moi pour une journée type d'un dimanche. On va aller au bois. On va bricoler sur la remorque parce que je suis en train de la réviser pour cette année pour le bois. On va aussi préparer, normalement, si j'ai encore le temps, un extincteur. Vous verrez, vous allez regarder, vous allez voir pourquoi c'est l'extincteur. Et bricoler ça, c'est un réservoir. Je vais en faire un réservoir de pelée, de granulés si vous voulez.
Pas besoin de faire du sport, moi. Là, vous croyez que le bois c'est fini? Eh ben non. Là, tout est stocké en 1 mètre. Donc maintenant, il va tout falloir débiter et tout fendre en 30 cm pour que ça rentre dans mon poêle à bois. Je vais vous montrer. Ça, c'est pour l'hiver prochain. Voilà. Tout ce qu'il y a là, tout ce qu'il y a là-dedans, c'est pour cet hiver. Donc, c'est stocké à l'abri. Je me suis gardé un petit coin ici pour certainement des sacs de granulés. Là, je vais faire un test. Je vais vous filmer ça cet après-midi sur ce que je vais faire avec un vieil extincteur en test. Je vais essayer de le recycler et vous allez voir comment. Donc là, la pâte, elle a cassé. Donc il est temps de refaire un petit coup de propre sur la remorque. Tout ce qui est peinture, vérifier les rivets. J'ai vu qu'il manquait des rivets à des endroits. Je sais plus trop où. Et puis là, je vais devoir découper le brin de soudure. Et puis je vais y souder cette plaque là, qui est un peu plus épaisse à la place. Et du coup, je sais pas si je... Non, ça va, bah ça, je vais... Du coup, ça n'aura plus rien à voir. Et puis, je vais ressouder ça aussi à la place. Alors, je sais pas encore, je crois que je vais souder hein, plutôt que visser. Ce sera mieux. Ça avait tenu jusque là. Donc voilà, je vais découper tout ça, la disqueuse, là. Essayer de retirer tout le cordon de soudure qui a été fait. Et puis, en refaire un propre, du coup, par la suite. Je vous filme ça tout de suite.
Donc là, il manque de la matière dedans. Donc je vais refaire un cordon de soudure à l'intérieur et un tout petit peu ici aussi de ce côté-là, juste là. Je vais refaire un petit cordon de soudure et repasser un coup de disqueuse par au-dessus, vraiment pour que ce soit propre, qu'il n'y ait pas de matière, pour éviter que ça rouille en dessous, et retraiter après pour l'anti-rouille.
Bon ben voilà, c'est fini, j'ai passé de l'antirouille dessus. J'ai plus qu'à faire du coup hop, ce côté-là, qui est encore dans l'ancienne version. Mais vous voyez, je suis sûr que c'est en train de se fissurer derrière. Donc voilà, je vais pas refaire de soudure là-dessus, hein, comme je suis vraiment débutant en soudure. Là je suis plutôt content de moi, j'ai réussi à faire un petit cordon. C'est vraiment pas évident. Voilà, donc j'ai encore à m'apprendre sur la soudure, mais en tout cas ça tient, c'est super résistant, donc voilà, je suis plutôt quand même content de moi, même s'il faut que je m'améliore. Donc je vais m'entraîner encore à refaire de l'autre côté, je sais pas quand, mais au moins cette partie-là est réparée et c'est reparti. J'espère au moins pour plus de 5 ans, vu comment c'est épais, ce sera toujours plus solide. Donc allez, on va dire 10 ans. Et donc voilà, je crois que je vais reprendre des pièces de celle-ci que je vais vendre vraiment à pas cher. Je crois que je vais reprendre les rampes de feu parce que voilà, sur celle-ci, c'est vraiment son point noir. Avant, ils étaient en bas, mais comme j'allais au bois et je montais, il y avait un dénivelé et l'arrière frottait toujours. Donc voilà, il va falloir que je trouve une solution. Soit je vais essayer de découper et puis faire deux oreilles et mettre. Intégrer ces feux-là qui sont à LED dessus pour vraiment vraiment qu'elles soient propres, enfin beaucoup plus propres, parce que là ça fonctionne, mais vous voyez, c'est aimanté, je vais pas les poser dessus parce que ils sont la peinture est enfin l'antirouille vient d'être posée, mais voilà, ça va être la prochaine étape, ça va être ce côté-là et après ce sera les feux. Alors en même temps je vous parle de cette remorque, elle est superbe et dessus c'est des roulements, je crois que ça s'appelle type Ken, donc c'est des roulements coniques et en fait dès qu'il y a du jeu qui apparaît à la roue, vous la démontez et vous resserrez un petit peu l'écrou qu'il y a derrière ce cache-là et ça vous rattrape tout le jeu, contrairement à d'autres remorques où c'est des roulements standards où là faut complètement changer le roulement. Et là, franchement, c'est extra. Voilà. Puis en plus, elle est freinée. Elle est un petit peu grande quand j'ai la 106. Mais bon, comme elle est vendue maintenant et que je tire qu'avec le 4x4, voilà. Derrière le 4x4, le seul souci, c'est que je la vois pas. Je vais voir pour essayer de faire un porte-échelle aussi dessus pour déjà avoir un gabarit. Et puis, sûrement encore deux piquets derrière. Voilà, qui va peut-être revenir en arrière avec deux barres, mais juste pour avoir un gabarit, au moins que je puisse voir dans les rétros et où quand je me retourne pour essayer de manœuvrer. Bien que voilà, hein, manœuvrer c'est pas tellement dur une fois qu'on a pris le coup, c'est vraiment pas dur. Et donc voilà, après celle-là, c'était vraiment, je suis même plus, c'était pour la 2 chevaux que j'avais acheté celle-ci. C'était vraiment en dépannage, mais voilà, je vais la mettre à vendre vraiment à pas cher sur le bon coin. Et puis voilà, si elle est vendue, elle est vendue. Sinon, on trouvera toujours quelque chose à refaire avec ces roues-là. Pourquoi pas une remorque un petit peu mieux pour la 2 chevaux quand on partira en concentration de 2 chevaux. Donc sur le 4x4, j'ai une bosse ici. J'espère qu'à la vidéo on la voit bien. Normalement, on devrait bien la voir. Alors j'ai une ventouse, je vais essayer. Ça va être dur parce que ouais, ça va pas être évident. Donc je vais essayer ça, je vais vous filmer ça, vous montrer si je peux l'avoir ou pas. Je vais essayer de vous poser là. Pas été évident. J'essaie de bricoler un truc. Voilà. Le plus dur, ça va être de la prendre entièrement là, cette bosse. De la ventouse et par l'intérieur de la porte je peux pas, il y a une double cloison en fait.
Et voilà. Bon, ouais, quand même un petit truc dans l'angle. Mais voilà, j'espère que la vidéo, ça s'est vu. Ça s'est vu. J'ai réussi à la faire revenir. Donc, il y a encore une petite là. Mais déjà, on la voit beaucoup moins qu'il n'y a aucun espace de libre, sinon ça laisse passer l'air. Et donc ça fait pas. Ça ne fait pas ventouse. Quand même qu'on a de la traction une fois que ça a pris. Je sais pas si vous voyez correctement. Je vais essayer de vous mettre comme ça. L'avoir mieux que ça, c'est déjà pas mal. Je crois que c'est déjà bien, mais vous voyez, quand vous avez des bosses où c'est enfoncé, vous voyez la taille un peu plus gros qu'un point avec cette ventouse là, vous mouillez bien. Et une fois que vous avez une bonne prise, vous arrivez à la faire glisser un petit peu et vous tirez un coup sec. Par contre, quand c'est dans les angles comme là où on voit là, ici vous voyez il y a un angle tout le long là, et ben là c'est beaucoup plus dur à avoir, et il faudrait des petites, je sais qu'il existe des petites ventouses qu'on colle à la colle à chaud et on tire un coup et ça les fait revenir. Donc à tester, pourquoi pas, si je ce serait l'occasion de faire une vidéo là-dessus. Je suis pas spécialiste là-dessus, mais bon, après voilà, ça dépend du prix du kit. Et puis j'ai voulu regarder les marchepieds aussi, la rouille qu'il y a dessus. Et par contre, c'est vraiment plus que rouillé. Donc je vais voir pour essayer de remplacer tout le tube et refaire quelque chose de plus propre que ça. Parce qu'en fait, je crois que c'est ce côté-là. Oui. Vous voyez, là, il y a vraiment. Ici, c'est vraiment mort. Donc à partir des pattes. Ces pattes là qui ont l'air encore bonnes, il y a de la terre, il va falloir que je nettoie tout ça, vraiment graisser tout le châssis, enfin le rendre beaucoup plus propre que ça, et repartir de zéro à partir de ces pattes là et refaire quelque chose de propre là dessus bon voilà, j'espère que ça filme assez bas, parce que je me suis rendu compte en commençant le montage de la vidéo que je filmais un petit peu trop haut, et donc qu'on voyait pas forcément ce que je montrais. Donc là je vais bricoler ça, c'est un réservoir, je vais en faire un réservoir de pelé pour, de granulé si vous voulez. Donc il va falloir que je le perce un peu partout pour laisser passer l'air, pour qu'il y ait une bonne combustion. Donc ce type de réservoir là vaut une fortune sur internet, et donc moi je vais essayer de le faire. Mon poêle à bois fait 30 cm de large, un peu plus de 30 cm, donc il rentre dedans, il se cale parfaitement. Donc je vais essayer de le percer. Du coup il va falloir que je mesure tout ça, j'ai tout pris, tout calculé. Donc hop, voici notre poêle à bois, et du coup l'extincteur sera droit, voilà, jusqu'en haut. Et donc voilà, tester les granulés. Donc il va falloir que je mesure la quantité, le poids, donc le poids, et puis le temps que ça dure. Et puis voilà, si ça peut nous tenir la nuit, pour nous éviter juste de nous relever pour mettre des bûches dans le bois. Tu viens dire bonjour? Donc ce serait parfait. Voilà, je vais continuer la bricole.
voyez, j'ai encore plein d'outils qui traînent à ranger. Et puis, je vous montre ça. Et donc, tout mesurer correctement pour que ce soit vraiment bien uniforme. Et puis, découper le dessus. Alors, là, je garde le dessus pour garder une force parce que voilà, je vais percer dessus. J'ai acheté ça pour percer. Donc, il y a plusieurs étages. On voit toutes les graduations. Donc, pour l'instant, je vais peut-être percer jusque 10. Ça me paraît entre 8 et 10, je vais voir. Et puis, suivant la combustion, bah, je percerai un peu plus profond. Enfin, pas trop gros parce qu'après, les granulés vont faire que de tomber. Donc, voilà. Là, je vais prendre mes cotes et puis je vais tout mesurer pour tout percer correctement. Donc là j'ai fait un trait tous les 2 cm et du coup je reprends mais en quinconce. Donc là j'ai fait 0, 2, 4, 6, 8, 10 et là je fais 1, 3, 5, 7, 9. Hop, j'essaye de garder l'écartement de la règle. 11, 13, 15, 10. 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 et 35. Et là, je vais prendre du coup 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 2, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27. Voilà, je vais continuer toutes les autres lignes comme ça. Il m'en reste 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Donc, hop, j'ai dit 17, 17, ça j'ai. Le tactile de l'iPhone qui déconne. 17 fois j'ai 16 lignes, donc j'ai 17 trous comme ça et 16 lignes. J'ai 272 trous à faire là dessus donc voilà, je vais pas tout vous filmer. Si vous voulez savoir la suite, ben pour ceux qui sont pas abonnés, abonnez vous et puis cliquez sur la petite cloche. Pour le reste, et ben vous aurez la suite, je sais pas quand. Je vous donnerai des nouvelles de ce test. À bientôt.